Il est déclaré par la bouche de l'Éternel dans Ésaïe 56, le verset 2, les paroles suivantes. Et l'homme qui s'y attachera, gardant le sabbat pour ne point le profaner et gardant sa main pour ne faire aucun mal. Ici, le mot homme ne concerne pas seulement les Israélites, mais l'humanité entière. Ainsi, mes frères et mes sœurs, il est bon de vous joindre à nous en vue de garder le Saint-Sabbat. Cordial, bienvenue à chacun de vous qui est avec nous pour participer à l'ouverture du Saint-Sabbat. Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire s'élevait le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon heureux jour et toi. Merci pour la semaine traversée en beauté sous la surveillance de tes saisons. Assiste-nous par ton bon esprit. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Hébreux 4, et le verset 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. »
Il dit cela, quoique ses œuvres eussent à être achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Parole du Seigneur. Avant même de chanter pour prier, toujours dans l'objectif de saluer l'arrivée du Saint-Sabbat de l'Éternel, nous faisons une courte réflexion sur Hébreu chapitre 4 et le verset 1 à 11. Eh bien, c'est un très bel texte de l'apôtre Paul et pour nous, les étudiants de la Bible et de l'Église adventiste du septième jour, nous sommes clairs là-dessus que les textes et le livre des Hébreux, disons, et nous considérer ces les textes de l'apôtre Paul. Donc, et l'important est pour nous capable de garder le Saint-Sabbat. Parce que depuis lors de la création, Dieu lui-même l'a demandé pour nous capables de reposer le septième jour et pour nous balle gloire, honneur que lui-même seul l'a mérité. Maintenant, quitte nous t'a fait une approche historique ou une approche canonique, ce qui est important, n'a besoin le sabbat, c'est la vérité depuis lors de la création. Et le sabbat a été une vérité qui éternelle parce que l'adoration, c'est pas pour un jour, l'adoration, c'est pas pour deux jours, l'adoration, c'est pour toujours. Et apôtre Paul fait Hébreu connaît que bientôt, pas de grâce là pour le fermer. Donc, nous sommes capables d'ajouter ça, pas de grâce là pour le fermer parce que les mentionnés. Gagne possibilité pour moun entrer sorti dans désobéissance pour yo vinn garder le Saint Sabbat. Donc bientôt pour moi-même nous devons comprendre ça, la porte de la grâce sera fermée. Donc fais attention pour ne pas venir trop tard. Parce que bon l'aura privé la trop tard, eh bien pas de possibilité encore pour obéir et pour entrer dans le plan du message des trois anges, à savoir craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Deuxième considération qu'il est capable de faire, il est important pour nous manifester de la foi. Parce que, dans une série de monde qui t'étend des paroles là, ils n'ont juste pas manifesté la foi, ils n'ont pas fait confiance. Donc, c'est ça qui fait, ils ont rejeté le sabbat. Donc, apôtre Paul remontait à la création pour dire, joue ça, il est là de la création du monde. Et les mêmes cités et Josué, les cités aussi David, yo même qui t'ai fait tout sac de panne de yo, qui t'ai été obéissant en observant le quatrième commandement qui est le sabbat. Donc, Paul adressé avec Hébreu, lui dit yo, eh bien, le sabbat, lui encore en vigueur. Il lui exhortait yo, et surtout, les dieux pour yo éviter, pour yo pas tomber, pour yo bay même exemple désobéissance ça que à l'époque une série de monde qui était ignoré la vérité du sabbat. Eh bien, journée jodi, ni pour vous, ni pour moi,
le quatrième commandement, il est encore là, il est encore en vigueur, eh bien, faut que nous obéissions à la parole de Dieu pour nous observer le quatrième commandement, qui c'est le sabbat, qui c'est jour réservé au repos, à la prière et à l'adoration de l'Éternel des armées. Alors que le monde a marché vers sa fin, bientôt, très bientôt, Jésus a fait apparition, eh bien, nous devons faire tout ça possible pour ne pas faire exemple de désobéissance, mais pour nous faire nous des chrétiens obéissants et connaître le sabbat de l'Éternel. Il est là encore et là, là durant toute l'éternité. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Que bon Dieu capable de bénir nous et que nous capable de recevoir la parole sa yo avec gaieté de cœur et connaître l'Éternel des amis. Li gon jour qui est réservé pour l'adoration. Et ce jour-là, li pa yon l'autre jour, eh bien, c'est toujours le sabbat de la création et la demeure pour toute l'éternité. Amen. Le numéro 561. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Bon Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci, nous bénis, louons, exaltons nous pour grâce, miséricorde, compassion envers nous, spécialement pour ce moment ça fait nous traverser en bien. Côté que dans moment ça nous réunit au Père pour nous capable ouvrir ton Saint Sabbat que ou t'es bon nous dès la création du monde après que ou t'es fini créer toute bagaille. Ou te 17e jour là, c'est jour où mettez la pause, scellez li et ou dit nous-mêmes en tant que serviteurs pour nous obéir aussi avec commandement ça qui c'est quatrième commandement pour nous observer le sabbat Jean Mandel. Merci Seigneur parce que ou choisi nous pour nous proclamer non pour nous dire avec l'autre qui peut fin bien début de qui ça qui quatrième commandement. Et dans moment ça nous disons merci pour ça. Nous demandons au Père pour capable laver nous, purifier nous parce que malgré bien faire ou dans la vie nous nous-mêmes nous fait ça qui pas bon devant. Nous demandons au Dieu dans miséricorde pour capable aider nous arrêter dans pied pour foi nous capable grandir comme nous sautons dans message là pour nous capable même gens avec David, même gens avec Josué pour nous capable des enfants obéissants. Pour nous capables de rester dans pied ou observer sa parole jusqu'à ce que vous va venir. Parce que vous dites dans Somme 92, moun qui observe sa parole, qui fait le délice, Jean Mandéan, ou a fait le juif, héritage Jacob, c'est promesse éternelle qui c'est la vie éternelle au dernier jour. Seigneur, assistez-nous par bon cet esprit ou, béni pour nos nuits sans, béni chaque petit tout qui a pris ensemble avec nous, qui a ouvert le Saint-Sabbat ensemble avec nous, qui est capable de bénir. Béni ça qui trouve à l'hôpital, béni ça qui trouve dans prison qui est innocent, qui est capable de dire un mot pour yo Père. Ça qui trouve au Seigneur incarcéré, ça qui trouve dans moment ça, dans une difficulté quelconque, qui est capable de dire un mot et libérer yo, comme ça Père, yo capable de songer ça là
pour mettre la part, pour être capable de bénir nous là-dedans. Assistez-nous, bénis nuit là pour nous, que nous capables de passer une heureuse nuit. Et demain, si Dieu veut, nous allons aller à l'église, aller par gloire, honneur, au seul mérité. Nous prions, ce pas parce que nous gagnons mérite, mais c'est dans le précieux nom de Jésus, vivant, régnant, dès à présent, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous disons merci avec Zami Nouyo, et qui toujours accompagne nous. Et chaque vendredi au coucher du soleil, et pour nous saluer l'arrivée du Saint-Sabbat de l'Éternel. Ou même qui en Amérique du Nord, ou même qui est aux Antilles, ou même qui en Europe, même si nous pas gagné même fuseau horaire, mais nous avons des possibilités, nous jouer programme l'ensemble, ou même qui en République Dominicaine, et ou même tout qui en Haïti surtout, nous saluons, nous souhaitons un bon sabbat dans le précieux nom de Jésus. Bon sabbat à tous.